Vous l'avez certainement remarqué, il y a un thème qui parcourt tous nos textes, une invitation à remettre au cœur de notre vie la parole de Dieu. Cette parole que nous écoutons chaque dimanche et qui est commentée par les prêtres ou les diacres. Alors, vous savez que dans cet exercice de commenter la parole de Dieu, c'est toujours un exercice redoutable et il m'arrive d'être parfois un peu long. En disant cela, je ne suis pas le seul. Hier, il y avait les confirmations, Monseigneur a prêché pendant plus de 15 minutes. Mais c'est pas, voilà, on n'a pas tous les qualités de Monseigneur pour prêcher. En tout cas, voilà, ça m'a rappelé quelques remarques que j'ai glanées dans mes lectures, notamment une phrase que je médite souvent, que je ne mets pas en application, mais qu'importe, une phrase de Bernanos, dans une lettre qu'il adressait autrefois à Gaston Gallimard. C'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il faut s'efforcer d'être le plus court possible. Le légendaire Cambronne l'avait compris bien avant moi. Un mot adressé au général Colville, c'est dans les Misérables de Victor Hugo. Le général veut que l'armée française se rende. Il y avait une première phrase qu'avait dit Cambronne, d'après Victor Hugo, vous connaissez cette phrase, la garde meurt mais ne se rend pas. Et comme Colville insiste, eh bien, il y a ce célèbre mot. En un mot, tout est dit. Donc la rapidité. Autre remarque qui va un peu dans le même sens, une remarque de Montesquieu, quand l'orateur manque de profondeur, il compense en général cette carence par la longueur. Donc ça me fait froid dans le dos. Donc voilà, invitation à laisser toute la parole, mais pas à se répandre dans une forme de glose infinie. On commente, on paraphrase, parce que cette parole de Dieu, comme nous l'avons redit, chantée dans le psaume, elle est vie. Elle est vie, elle est force de vie. L'Esprit-Saint vient la transformer. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? On dit parfois à tort que la religion chrétienne est une religion du livre. Non, on n'est pas une religion du livre. Si on est une religion du livre, c'est une religion du livre proclamé, d'une parole proclamée. Parce que pour que le texte devienne parole de Dieu, soit pleine de cet Esprit-Saint, il faut qu'elle puisse être énoncé devant une assemblée, c'est ce que fait le scribe Esdras dans notre première lecture, c'est ce qu'a fait notre diacre, c'est ce qu'ont fait les lecteurs. Vous voyez, le texte prend vie. Il prend vie parce qu'il est, énoncé publiquement et voilà, le texte devient parole, devient force. Et pour cela, la première condition, quelle est-elle? C'est que cette parole puisse être bien proclamée, bien dite. Je crois que c'est toujours très important dans nos assemblées, pour ceux qui ont ce beau ministère de lire la parole, et bien d'avoir lu le texte avant, de s'être vraiment pénétré de cette parole pour permettre à l'Esprit-Saint de donner vie à ce texte. C'est aussi important d'avoir des bons micros. Donc je remercie Thierry, notre homme de la technique, qui s'efforce toujours de faire en sorte que cette parole puisse être parfaitement entendue. Donc l'importance de cette parole, l'importance aussi de parler lentement, ce que je ne sais pas faire. Moi, j'ai toujours un peu tendance à m'emballer, mais j'apprends. Donc, je suis désolé, hein, c'est vous qui me permettez d'apprendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a quand même une grande grâce, c'est qu'on a un maître. Un maître, c'est Jésus. Alors, ce que je nous propose, c'est de nous mettre précisément à l'école de Jésus pour savoir comment lui-même prêche. Alors, on va fermer les yeux. Voilà, on oublie qu'on est à Sainte-Jeanne d'Arc, qu'on est dans la synagogue. Et là, voilà, on attend. Moment de la liturgie de la parole. Jésus vient, il se lève, on lui remet ce rouleau. Vous savez qu'au temps de Jésus, la parole de Dieu, ce n'est pas des livres, ce sont des rouleaux. Donc on lui donne ce livre d'Isaïe, ce passage du livre d'Isaïe. Et voilà, Jésus le trouve assez rapidement. Ça veut dire qu'il sait où se trouvent les textes. Donc il a une bonne maîtrise de la parole de Dieu. Donc il trouve précisément ce passage, il lit ce passage, et que fait-il après? Anna, que fait Jésus une fois la lecture faite de la parole de Dieu? Thibaut? Alors, pourquoi j'interroge? Parce que vous avez vu, au début de l'évangile, on voit que la parole de Dieu, c'est une parole adressée. Ce n'est pas un discours. Hein. L'évangile, c'est une parole qui est adressée à Théophile. Donc, théoriquement, même l'homélie, hein, en grec, homilein, ça veut dire une conversation. Donc, vous devez, voilà, et c'est les servants qui me servent souvent d'interlocuteur. Alors, voilà, Jésus a lu distinctement, parce qu'il n'y avait pas de micro, donc il a lu, il a proclamé ce passage d'Isaïe, et que fait-il? Il se tait. Il commence par rentrer dans le silence. Il y a le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit,
sais pas si vous l'avez déjà entendu prêcher à Notre-Dame. Il fait ça systématiquement. Il lit l'évangile, acclamant la parole de Dieu, et que fait-il? Il se tait. Pendant 20 secondes, 30 secondes, parfois ça dure longtemps, hein, pour faire vraiment comme Jésus, pour permettre de, voilà, de laisser cette parole résonner en nous. On est dans une société où il y a beaucoup de bruit, ça parle beaucoup, ça glose beaucoup. Eh bien, accueillir cette parole de Dieu dans le silence, pour que la parole puisse résonner dans notre cœur. C'est pour ça aussi, il ne faut pas projeter, je le dis souvent, projeter tout ce que nous croyons connaître de ce texte, de telle sorte qu'on ne lit plus le texte, on n'écoute plus le texte, c'est nous-mêmes que l'on écoute. Donc vraiment, apprendre à se taire pour laisser la parole résonner en nous. Donc Jésus se tait. Et puis il se lève. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une liturgie. L'importance des gestes, l'importance de la sacralité. On ne lit pas la parole de Dieu, on ne la commande pas comme un article de journal. Donc il y a tout un cérémonial pour donner toute sa force à ce texte qui doit rejoindre à la fois notre intelligence, mais aussi notre cœur. C'est pour ça que c'est important d'avoir des beaux vêtements liturgiques, l'encens, qui fait que toute notre personne participe à la réception de la parole de Dieu. Donc Jésus va commenter, et que dit-il? Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Point. Et il s'en va. Ça fait rêver, hein. Vous êtes d'accord? Anna a fait un grand signe. Ah oui. Si les homélies pouvaient durer qu'une phrase comme cela, ça serait épatant. Je suis bien d'accord, quand je suis de votre côté. Mais quand je suis ici, j'y arrive pas. Donc voilà, une phrase. Mais une phrase, ça suffit. Et c'est la différence qui existe entre Jésus et nous, hein. Jésus, c'est la parole, le verbe fait chair. Donc qu'est-ce qu'il prêche en Jésus? C'est pas les mots, c'est ce qu'il est. Donc fondamentalement, Jésus n'a pas besoin de beaucoup parler, parce que sa vie est la manifestation en acte de sa parole. Ben nous sommes obligés de gloser, nous sommes obligés de parler, de beaucoup parler, parce qu'on n'est pas transparent comme cela à l'action de Dieu. Jésus étant pleinement Dieu, il est complètement transparent à l'action de Dieu. Et donc la parole par excellence de Jésus, c'est la croix. Sur la croix, vous voyez, cette parole de Jésus en croix. Mais la grande parole, c'est la croix qui nous dit quoi? Qui nous dit l'amour de Jésus pour notre humanité. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'amour pour son Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez, deux phrases très courtes, mais qui disent l'essentiel de ce qu'est Dieu. Donc vraiment, l'importance, dans une certaine mesure, de moins parler et de permettre à Dieu d'être manifesté au travers de notre vie. Il y a souvent cette phrase qu'on associe à saint François d'Assise, qui disait « Prêchez souvent et si nécessaire, employez des mots ». Ça, c'est la plus belle des prédications que tout chrétien, tout baptisé, nous devons nous efforcer de vivre, c'est que notre vie soit une manifestation en acte, une révélation en acte de cette parole de Dieu. Se taire et montrer au travers de nos gestes tout simples comment Dieu vient réconforter, comment Dieu vient guérir. Hein. Et c'est vrai que souvent, moi j'entends des théologiens dire que l'Église parle trop parfois. Elle ferait mieux de se taire. Parfois c'est vrai, je pense que nous ferions mieux de nous taire pour tout simplement parler au travers de ce que nous faisons. Et c'est difficile. Donc apprendre à moins parler pour permettre au Christ d'agir. Donc quelque chose de fondamental. Parce que souvent, si, ça c'est un grand principe qu'avait développé en son temps Aristote, hein, pour que la parole puisse véritablement toucher les cœurs, nous devons avoir de l'estime pour celui qui parle. Si vous n'avez pas beaucoup d'estime pour celui qui parle, même s'il dit des choses très belles, très bonnes, vous n'allez pas pleinement les écouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut viser la sainteté. Les prêtres doivent viser la sainteté, mais tout laïc, tout baptisé doit viser la sainteté, parce que nous devons avoir l'estime des autres pour que notre parole puisse passer, puisse toucher les cœurs. C'est pour ça que c'est bien que les prêtres ne restent pas trop longtemps dans une paroisse, puisqu'au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous commencez à voir leurs défauts, et peut-être que vous les écoutez avec une oreille moins attentive. Donc, mais fondamentalement, chercher à la sainteté, parce que la sainteté, je vois des signes d'acquiescement, c'est bien, parce que la sainteté est vraiment le lieu de la révélation de la parole de Dieu. Et puis dernière chose, pour que cette parole soit vraiment vie, pour que nous puissions ressentir la force de cette parole, eh bien quels sont les lieux que nous devons fréquenter? Parce que peut-être pour nous, nous n'avons pas l'impression que cette parole est vie. Parfois, cette parole rend triste,
ou n'est pas agissante, comme pour la petite blanche, eh bien, quels sont les lieux où cette parole est pleinement efficace? Eh bien, elle est efficace auprès des captifs, auprès de ceux qui sont prisonniers, elle est efficace auprès des aveugles, auprès des opprimés, auprès des petits. C'est peut-être une invitation pour voir comment cette parole agit, eh bien, de rejoindre ces lieux de pauvreté, ces lieux de... Voilà, être serviteur. Nous avons la grâce d'avoir un diacre parmi nous, comme le rappelait Philippe la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le diacre nous rappelle l'importance du service, être au service des petits, la diaconia. Et c'est là, précisément, quand on se met au service des petits, des pauvres, des fragiles, qu'on voit comment cette parole est effective, comment cette parole est efficace. Et puis peut-être aussi, c'est en reconnaissant nos propres fragilités, notre captivité, nous aussi, nous sommes tous enfermés, il y a certainement du péché, il y a du mal qui nous enchaîne, et bien l'accepter, accepter de se laisser rejoindre là où nous sommes, avec nos fragilités, reconnaître que, voilà, il y a des choses qui ne vont pas en nous, et c'est précisément quand nous faisons cela que l'on sent comment cette parole de Dieu est effective, comment cette parole de Dieu agit, comment cette parole de Dieu peut mettre le feu dans notre cœur. Il y a cette phrase célèbre de Saint François de Sales qui disait « Moi, je préfère être pauvre, petit, fragile que fort, parce que les pauvres, les petits, les fragiles, Dieu les prend dans ses bras, les met sur son cœur, alors que les forts, il les prend simplement par la main. » Donc accepter cette fragilité, accepter cette pauvreté pour pouvoir vraiment faire cette expérience d'une parole de feu, une parole qui est vie, qui redonne la force, qui redonne l'espérance. Amen.